C'est Magic Fingers en direct de l'antre de la folie pour vous présenter, non pas des moindres, mais une petite guitare qui m'a accompagné pendant les vacances. Et oui, je suis de retour et il me fallait une petite guitare pour les vacances, donc j'ai opté pour cette guitare-là. Pourquoi cette guitare-là? Je vais vous l'expliquer en quelques mots. Ça a été un choix totalement réfléchi de par le prix, de par la conception, et de par la qualité sonore, etc. Donc, il s'agit d'une petite Lag Tramontane. J'essaie de faire un petit peu le point sur cette fabuleuse guitare qui sonne et qui a la petite particularité, en tout cas sur ce modèle-là, d'avoir... ici, derrière sa petite tête, comme vous pouvez voir, on va ouvrir et hop là, comme par magie, on a, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, un accordeur intégré sur sa petite tête. Comme ça, ça vous évite de l'oublier et puis ça vous permet d'être tout le temps accordé. Donc voilà les amis, on va se mettre sur le PC. Hop, c'est parti. Et là, on voit le modèle en question. Donc, c'est une guitare folk, hein, c'est pas une électroacoustique. Une Dreadnought naturelle avec accordeur intégré, d'où la particularité de cette petite guitare qui est vraiment sympa. Qui est en épicéa massif pour la guitare, en tout cas pour la table. Qui offre une sonorité, machin. Voilà, donc Sitka massif devant. Dos et Eclipse Kaya Open Port, un petit peu bombé à l'arrière, chevalet Brownwood avec un sillet en graphite noir s'il vous plaît, le manche c'est de Lukumé, donc c'est de l'acajou du Gabon, la finition elle est satinée, on a un Crossroad double sens, on a des frettes, et, voilà, on a tout ce qu'il faut en fait, hein, une guitare quoi. La particularité, c'est que moi j'ai changé le tirant de cette guitare-là. Je l'ai mise en 11-52, sauf erreur, qui est un tirant un peu plus light. Et également, je l'ai diminué d'un demi-ton parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus agréable. Et je vous conseille de faire ça sur les petites guitares pas trop chères. Donc moi, je vous avoue, alors elle est plus actuellement en vente, je crois, neuve. Il y a juste le modèle standard, mais sans l'accordeur, du coup, au niveau de la tête. Elle se trouve d'occasion, et c'est ce que j'ai fait comme choix, c'est-à-dire que je l'ai acheté d'occasion sur un grand site de vente de guitares d'occasion. Et donc, je ne l'ai pas payé cher, hein, pour être en toute transparence, je l'ai payé 90€ avec sa housse. Elle était neuve. Donc c'est une petite guitare que je me sers pour mes vacances. J'espère que la sonorité, là, on est en ambiance. J'ai pas enregistré sur le Studio One, sur un micro indépendant. Je l'enregistre avec un enregistreur numérique que j'utilise pour ma voix. Mais du coup, pour en venir à cette guitare-là, bah écoutez, en strumming, bah c'est fait le taf. Hein. Thank you.
toujours de la pression quand on enregistre. Pour les vacances, ça permet de jouer, pas trop perdre la main. Je vais vous donner mon secret qui me disent que bah écoutez, c'est une bonne guitare pour moi en tout cas, parce que en fait en vacances quand j'ai une inspiration et que la guitare suit et que ça me donne des idées et que je rentre avec la composition d'un morceau, bah, je me dis que cette guitare elle est vraiment sympa. Permet de composer. Au niveau de jouabilité, bah écoutez, elle est vraiment bien, puisque j'ai réglé en fait la hauteur, hein, comme je vous expliquerai sur la suite en fait. Suite de la vidéo, c'est comment je l'ai réglé, un petit entretien pour vous expliquer tout ça, et on se revoit pour le final, le test final. Voilà les amis, donc bienvenue dans l'atelier improvisé, dans l'antre de la folie, hein, comme quoi c'est vraiment la folie ici, et on peut tout faire. Hein. Donc la petite est sur cette table d'opération. Donc au préalable, donc vous savez, changer les cordes, on va pas faire une vidéo là-dessus, mais c'est surtout pour vous présenter le réglage. Donc là on est sur le retour de vacances, les cordes ont vraiment été impactées, pourtant j'ai pas été au bord de la mer. Voilà, donc ça c'est dû à la transpiration, à la chaleur, au taux d'humidité qui varie, ça fait un petit peu tout modifier, et surtout les cordes, bah, elles prennent plein la gueule. Donc bah, pour ça, il faut vous munir bah, de la clé de Trossroad qui est fournie avec, de quoi nettoyer, de quoi couper les cordes, de quoi rembobiner les cordes, voilà. Et puis bah, un nouveau tirant forcément qui va avec. Donc moi sur cette guitare-là, vu que c'est pour... les vacances, je monte un tirant 1152 qui est du light, sauf erreur. Voilà, donc c'est une marque. Voilà, on va pas faire la promo dessus, mais bon, avec 70% de réduction, ça vaut le coup.
En tout cas, pour une guitare qu'on va emmener à gauche, à droite. Donc, c'est une acoustique, hein, on est d'accord. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de réglages. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, elle est un petit peu inversée, dans le sens où là, on va non pas la préparer, mais la rendre prête à partir de nouveau. Ce qui est vachement intéressant, en tout cas chez la plupart des fabricants de guitares, c'est qu'au niveau du chevalet, quand vous retirez les cordes, vous avez cette petite pièce en plastique là, c'est pas le scié, mais c'est au niveau du chevalet qui fait l'angle pour les cordes et qui vous permet d'avoir le diapason hein, de la guitare. En fait, en dessous, donc je l'ai mise ici, je vais vous faire voir de près, j'espère que ça va faire un peu le zoom. Ils mettent toujours une petite cale, de la même matière que l'espèce de scié là. Voilà. Qui rentre en fait dans la nervure, hein, qui est déjà faite. C'est une pièce qui fait aller 2-3 mm, qui permet de rehausser. D'accord ? Et le fait de rehausser permet d'avoir un jeu, on va dire, standard, c'est-à-dire quand vous l'essayez en magasin ou autre, ça vous permet d'avoir les cordes assez hautes pour pas que ça frise, etc. Quand on a un jeu un petit peu plus, on va dire, développé avec les années, on aime bien que les cordes soient un petit peu rapprochées. Bah là, juste en enlevant cette pièce-là et en la remettant sans cette pièce-là, en tout cas ici, au niveau du scié de chevalet, quoi, hein, on va appeler ça comme ça, et bah, ça vous permet d'avoir une justesse au niveau de la hauteur des cordes qui vous permet un jeu beaucoup plus, voilà, beaucoup plus défini, en tout cas pour les plus avancés d'entre vous. L'indispensable quand on part en vacances, c'est cette petite chose-là, hein, capodastre, des médiators, forcément, de ce que vous voulez au niveau de la... au niveau de l'épaisseur, moi j'aime bien les souples sur un jeu comme ça parce qu'il est light. Un petit bottleneck, alors plexi, métal, aluminium ou cuivre, ça c'est vous qui voyez si vous voulez un petit peu peaufiner pendant les vacances le jeu. Et puis bah, vous mettez tout ça dans la housse, vous partez avec. Hein, donc une housse c'est indispensable. Alors après le choix souple. Fly, etc. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de la place que vous avez. Moi, une housse toute simple, ça suffit. Et donc là, on va changer les cordes, on va la nettoyer, on va la repréparer. Prête à repartir. Voilà, donc on va faire une accélération sur cette étape-là. Mais en tout cas, ce qui était important, c'est à ce niveau-là, la petite astuce. Alors, c'est pas une astuce, mais voilà, ça vous... permet d'avoir en tout cas un jeu qui est beaucoup plus agréable tout de suite. Voilà, donc sans plus attendre, on va faire ce changement de corde. À tout à l'heure. We'll be right back.
dernière astuce, vous m'avez pas vu faire du coup parce que j'ai accéléré la vidéo. En gros, quand il y a la boule pour les acoustiques, les électroacoustiques, il faut essayer de faire une pliure à 90 degrés. On peut se servir de la petite manivelle là, coinçant un petit peu. Alors moi j'ai les gros doigts. L'objectif, c'est de créer un angle dans la base. Hop, petit angle un peu à 90 degrés. Pour qu'en fait ça se coince dans le bois. Parce qu'on a l'habitude de tirer et de faire coincer avec ces petits ergots là. En fait on les abîme en les enfonçant. Le but c'est de pouvoir les retirer sans pour autant avoir des difficultés en fait. Donc la corde, elle est maintenue. En enfonçant, on va dire que là, il y a la couche de bois, il y a l'angle à 90 que vous avez fait, et en fait, ça vient coincer, tac, la petite, le petit ergot qu'on a fait, tout simplement. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais au lieu d'être pris sur l'ergot en plastique, il est pris, la corde est prise dans le bois. Voilà, c'était la petite astuce. Je finis tout ça et je vous retrouve après. Voilà les amis, bah écoutez, elle est prête, elle va prendre sa place, enfin en tout cas les cordes vont être tendues un petit peu, prendre leur place, on va la régler. Maintenant elle est nettoyée, elle est prête à repartir en vacances si on a hâte. En attendant, vous avez vu dans l'entrée de la folie, on fait un petit peu de tout. Donc ça veut dire que cette pièce-là, bah, vu qu'elle me permet de tout faire, il va falloir optimiser la pièce pour qu'elle puisse permettre de tout faire, ça veut dire ranger. Donc c'est ce qu'on fait, c'est important, il faut se faire de la place et en même temps ça fait du bien à l'esprit. Donc je vais tout ranger et je vous retrouve après. A tout de suite. Voilà les amis, tout est rangé, à tout de suite. Bien sympathique avec une petite guitare sympathique qui va être prête pour repartir en vacances, on espère assez rapidement, mais bon, ça c'est autre chose à mon avis, ben, il va falloir attendre une année. En attendant, c'est une bonne petite guitare avec un petit accordeur intégré, elle a une bonne bouille, elle sonne relativement bien, elle est plutôt agréable à jouer sur toutes les caractéristiques, sur tous les angles, au doigt. Strumming avec un médiator, au chant, au coin d'un feu pour chantouiller.
Voilà les amis, c'était Magic Swingers en direct de studio de l'antre de la folie pour une petite présentation estivale de cette petite guitare estivale pour les vacances. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. C'était Magic Swingers. Ciao.